Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique, Guinée. La présidence de la République présente à la télévision nationale un capitaine qui aurait voulu renverser Mamadi Doumbouya. Dans un élément des reportages publiés à la télévision nationale et commenté par la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République de Guinée, un homme nommé capitaine Abdoulaye de Cissé a été présenté mardi 2 janvier comme cerveau d'un groupe qui aurait tenté de renverser le chef de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le reportage ne mentionne pas la date de tentative de coup d'État, cependant l'individu avoue avoir découvert les faits. Dans cette explication, il dit avoir été contacté par le commandant Ali Camara pour mener l'opération. Je reconnais avoir participé à des réunions qui concernaient à participer à un coup d'État contre M. Mamadi Doumbouya. Le commandant Ali Camara a cherché mon numéro à travers un adjudant et puis il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, il y a un réseau sur place qu'ils ont fait. Selon lui, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le président Mamadi Doumbouya? Ne s'est pas bien passé entre eux. Donc, il dit, il y a une organisation en place, mais on veut que tu diriges. Parce que, vu les relations, on veut que tu diriges. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas les moyens. Ils m'ont dit qu'on mettra les choses à ma disposition. Donc, j'ai dit, je n'ai pas d'éléments. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui va rester avec toi, qui va coordonner les choses. Donc, c'est comme ça que je suis resté et puis, on m'appelait, on m'imitait en contact avec des gens. J'ai parti rencontrer quelques éléments. Je lui ai dit que Koba sera ton interlocuteur. Koba est un ami à moi, un ami de...